Bonjour de la région métropolitaine de Manille, aux Philippines, au sud-est de l'Asie. Voici mon résumé bref des titres d'actualité sur la page d'Internet du journal québécois et canadien La Presse pour samedi, au moins partiellement pour samedi, le 17 novembre 2018. Comme toujours, je vous déclare au début de cette vidéo d'actualité que je ne veux violer aucun droit d'auteur avec lui. Moyen-Orient. Meurtre de Khashoggi. Les États-Unis demanderont des comptes aux responsables. Des enfants confiés à la DPJ pâtissent d'un retard de construction. La ministre McCann et les médecins spécialistes veulent travailler ensemble. Une enquête pour meurtre 10 ans après deux disparitions. La SAQ ou la Société des alcools du Québec perturbée par une grève ce week-end. Maison Etier à l'abri de ses créanciers. Iran, une ex-étudiante de McGill, de l'Université McGill à Montréal, au Québec, fait face à la peine de mort. 3 écoles secondaires du Québec obtiennent une note parfaite. Grand Montréal, le défilé du Père Noël se déroule samedi à Montréal. L'anneau d'hier, 2 jeunes femmes meurent dans une collision. Politique québécoise, le Parti québécois réfléchit sur sa défaite électorale. La SAQ perd Maison Etier à l'abri de ses créanciers. La Chine et les États-Unis étalent leurs divergences avant le sommet de l'APEC. Gilets jaunes, la fronde anti-Macron ternie par un accident mortel. Incendie, Trump se rend en Californie. OK, Calvin Peterson guide les Kings vers un gain de 2 à 1. Les Stars triomphent sur les Bruins, 1 à 0. Affaire Nassar, démission du numéro 2 de la Fédération américaine de gymnastique.